Toujours à la recherche d'argent frais, pour boucler ses derniers dossiers, le FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé une solution inattendue. Le temps presse pour le FC Barcelone. Alors que le marché ferme ses portes dans moins de 12 heures, le club cherche toujours à faire venir Joao Cancelo et Joao Félix. Problème, il manque de l'argent frais en caisse et même, si des moyens ont été trouvés avec la nouvelle vente de Barça Vision, la filiale digitale, au fonds d'investissement Libro Football Finance. Sinon il faut passer par des ventes rapides. Ansu Fati est lui en passe d'être cédé à Brighton sous la forme d'un prêt et Abdé devrait rebondir dans les prochaines heures au Betis. Un accord est tout proche pour le Marocain, comme nous l'affirmions ce matin. Mais il se pourrait bien qu'une vente inattendue intervienne pour enfin débloquer les derniers dossiers. D'après Sport, une offre de dernière minute est arrivée sur le bureau de Joan Laporta. Elle a de quoi faire réfléchir les Catalans, puisqu'un club saoudien, dont l'identité n'a pas été révélée, propose 40 millions d'euros pour transférer Robert Lewandowski. À ce stade, rien ne dit que cette proposition sera acceptée, ni des motivations de l'attaquant polonais. C'est encore trop tôt pour le savoir, mais cela devrait évoluer dans l'après-midi, dans un sens ou dans l'autre. Le Barça s'est offert le buteur l'an passé 45 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables, en provenance du Bayern Munich. La recrue phare de l'an passé a fait une très belle saison, marquant 33 buts toutes compétitions confondues en 46 matchs, et a déjà trouvé le chemin des filets cette saison. Seulement, Lewandowski a 35 ans, et une telle offre ne se représentera pas, a priori. Problème, les Blaugrana auront du mal à trouver un remplaçant de renom en quelques heures. Le FC Barcelone a eu une frayeur ce matin. Après une première offre de prêt envoyée hier soir à Manchester City, les Blaugrana ont eu vent d'une tentative d'un autre club anglais pour enrôler Joao Cancelo à la dernière minute. Mais ce dernier a tenu parole et va rejoindre la Catalogne. D'après différents médias, le Portugais est attendu cet après-midi vers 18h à Barcelone. Les Citizens ont donné leur accord pour céder le latéral polyvalent sous la forme d'un prêt. Aucune option d'achat n'a été négociée par les deux directions. Après cela, le Barça va pouvoir essayer de concrétiser la venue de Joao Félix.